C'est que peut-être demain, il va venir vous dire que Sarah Lee s'est mariée. Par exemple, ça, c'est un papo. Donc, je vais mener les investigations. La réponse que tu as avec un manager, tu vas me la donner au privé. Comme ça, demain, moi, je vais venir dire ça ici sur le plateau. Non, lundi. Lundi, du coup. Lundi. Alors, aujourd'hui, vous me voyez, je suis dans une veste bien chic. Je ne vais pas donner la marque parce que, voilà, vous savez. Ils n'ont pas payé. Mais c'est grâce. C'est la télévision, on paye. Allons-y, pourquoi on dit ton nom, tu payes. Donc, continue, non. Il faut le laisser. Après, je vais ça. Je sens que ça devient doux. Tu as senti ça? Oui. OK. C'est grâce à la mère Emma Louès que je porte cette veste aujourd'hui. Vous savez, vous connaissez tous Emma Louès, n'est-ce pas? On la connaît. Merci. Unité de mesure, s'il te plaît. Merci. Emma Lolo. Merci. La Lolo de Lolo. C'est notre star, c'est notre chouchou. C'est que... Elle a l'argent, elle a les dos, elle a le tien. Donc, vous savez qu'elle voyage, elle fait les shopping de façon désordonnée. C'est qu'elle achète, elle achète. C'est même pas de sa faute. Emma, c'est l'homme, hein? Non. Donc, généreuse comme elle est, elle dit, bon, j'ai trop d'affaires. Trop d'habits, trop de chaussures. Trop de sacs. Donc, je vais me séparer de la moitié de mes affaires. Sauf que, elle s'est rappelée que les Ivoiriens veulent la tuer. Sa vie en danger. Tout le monde veut sa mort. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Si j'offre mes affaires, je vais mourir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi voulez-vous me tuer? Du coup, je vais jeter ou même je vais brûler. Elle a posté ça sur les réseaux. Au lieu de brûler, si elle vend pour donner l'argent là aux oies, ça fait quoi? Non, mais si elle vend que les gens achètent ça, celui qui a acheté, elle va la tuer. Si la personne sait, tu vois, non, voilà. Il va la tuer. Effectivement. Voilà. Parce que voilà, là, tout le monde est jalouse dans le pays. Il n'y a personne qui aime son affaire. Tu vois, non, les gens sont trop sur sa vie. Comme elle a l'argent, elle a le succès, là. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Donc les gens veulent la tuer. Mais finalement, mais il y a quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est? Zongo, si tu es là, hein, t'as choisi. Finalement, sa grande sœur l'a convaincue de liquider quelques affaires. C'est pas grave, faut pas jeter, faut pas brûler. Donne-moi les affaires, là. Moi, je vais aller donner ça à d'autres personnes. C'est tout. Voilà. Donc, comme sa grande sœur l'a convaincue, c'est comme ça que sa grande sœur a pris quelques affaires. Ce que vous dites que c'est chinois, là. Sa grande sœur a pris. Et puis, elle m'a donné la veste, là. Donc, finalement, elle a pas jeté. Pour la tchatchou. Vous voyez comment elle est généreuse, non? Elle a l'argent, elle est généreuse. Elle, tu avais. Oui. Mais il y en a, là. Toi, mais c'est grâce à qui tu avais ça, là? C'est Emma qui t'a donné la veste, c'est pas, il n'y a pas envie de dire. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître? Ton deuxième papa, tu veux te mélanger, pas rentrer dans ça. Je dis donc, Emma est généreuse, mais tout le monde n'est pas généreux. Ah bon, hein? Oui. Il y a un footballeur allemand qui s'appelle Manuel Neuer. Regarde son visage là-bas. Le monsieur est monté dans un taxi, footballeur. Quand on en donne footballeur, c'est quoi? C'est Jésus, c'est Jeff. C'est le Jeff. Il a tout le lait. Il est monté dans un taxi, il a laissé son portefeuille. Dans le portefeuille, il y avait 800 euros. C'est avec ses cartes d'identité, ses cartes de crédit, 800 euros en espèces. Le chauffeur a vu ça. Il est sorti, il rentrait maintenant à la maison. Le chauffeur a vu le portefeuille. Il prend le portefeuille. Il se retourne chez le monsieur pour lui donner son portefeuille. Le gars lui dit merci. Il prend son maillot et puis il lui donne. Tiens, ça c'est pour toi. On fait quoi, maillot? La route, même la distance, mais qu'est-ce que tu venais, ça se fait déjà 400 euros. Tu peux pas me donner ton maillot, il faut que ton maillot. Moi, il faut que ton maillot. Il a gaspillé son essence cadeau. Il a gaspillé son essence cadeau. Non, le gars est fâché. Non, mais si c'est un brouteur qui a pris ça. Il y a une solution. Si c'est un brouteur qui a pris ça, il est prendra. Sa carte de banque est dans le prendra. Il y a une solution. Si moi j'étais à la place du chauffeur, je prenais une photo avec le footballeur, avec le maillot, puis il partait vendre le maillot. Ça, c'est une très bonne idée. Prisca, dans ça, tu as dit quoi? Ah, mon cher, nous on est ici, donc il est à Tchébé. Il est Agni, très Agni d'ailleurs. Il y a des Agni qui donnent maintenant, hein. Non, c'est pas vrai. La nouvelle race d'Agni, là. Non, moi, je connais les Agni, hein. Agni, regarde la télé. La partie de la messe où on fait offrande, là. Agni était la télé, hein. Calmer. La morale de cette histoire, plus ou moins, quand vous faites du bien, ne vous attendez pas forcément à ce qu'on vous le rende en retour. Tu as trouvé le portefeuille du monsieur, tu lui as ramené, c'est un très bon geste de ta part. C'est Dieu seul qui va te bénir. Mais Dieu aussi, depuis là, ça ne vient pas. Bon, cher, on fait comment? Si je ramasse le portefeuille de Zongo, je ne peux pas lui donner. Allons-y, un à un. Donc, si c'est toi qui prends, tu donnes ou tu ne donnes pas? C'est Neuer, il a l'argent, il a le truc. Moi-même, là, j'ai lui fait chantage. Non, si c'est qui, moi? Le chauffeur ou bien le joueur? Si c'est toi le chauffeur. Non, si c'est toi le chauffeur, tu donnes ou tu ne donnes pas? Je lui donne. Sans rien attendre en retour. Je lui donne. Et toi? Mais moi, je suis parti donner passer pour moi, c'est un joueur. Mais moi, rien donné. Et toi? Moi, je ne donne pas. Bon, comme on n'a pas envie de se fâcher. Toi-même, tu vas faire quoi? Moi, je donne. Oh, son parrain, ça va. Moi-même, je donne quand j'ai payé son transport.